Il y a un mois, je sortais une vidéo avec mes conseils pour rester motivée durant Linktober. Ce challenge est terminé depuis 2 semaines et je veux partager avec vous comment je l'ai préparé et ce que j'en ai appris. Je vous en dis pas plus, je vous embarque avec moi. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas participé à Linktober et cette année j'avais vraiment envie de le faire pour pouvoir améliorer mes lines et aussi mon dessin à l'encre, chose que je pratique très très peu. Pour participer à Linktober, ce que j'ai eu envie d'utiliser, c'était seulement le strict nécessaire, c'est-à-dire un carnet que j'avais, qui est un vieux carnet que j'utilise très peu, qui est un Winsor & Newton avec un grammage très élevé pour les pages, mais qui est très lisse, donc je ne peux pas faire d'aquarelle dessus, vu que ce n'est pas du papier assez épais. Et aussi j'ai utilisé des Faber-Castell que j'aime beaucoup. Mes préférés c'était le B, le C, celui pour faire de la calligraphie, mais aussi le S, le F et le M pour faire les lignes un peu plus fines. J'ai décidé de suivre la liste officielle de Jake Packer qui a été publiée début septembre. Donc pour mon organisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des idées en amont. Dès que j'ai vu la liste, je voulais avoir une ligne directive pour tous mes dessins. Du coup, j'ai cherché des idées. J'étais partie sur des séries, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver pour tous les mots des séries des années 90 ou des années 80. Je ne trouvais pas d'idées avec des séries, j'en avais trouvé que pour quelques mots. J'ai essayé de réfléchir un peu plus globalement et je me suis tournée de plus en plus vers les films qui me permettaient vraiment de pouvoir avoir presque des idées pour tous les mots. Pour les mots un peu plus difficiles, j'ai demandé autour de moi d'avoir quelques idées et c'est comme ça que j'ai réussi à compléter ma liste. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour voir quelle image parlait le plus. J'ai essayé soit directement de dessiner le mot qui était représenté comme le mot de Linktober. Si je pouvais pas, je me tournais soit vers un personnage principal qui était très célèbre, soit vers une scène d'action qui était la plus marquante ou la plus décisive du film. Donc, maintenant j'ai mes mots, mes films, mes idées d'images. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mon organisation. Donc ça, j'ai à peu près terminé d'avoir la liste. Même durant Linktober, j'ai continué de refaire des recherches. Avant le 1er octobre, j'avais environ une dizaine d'images qui me permettaient de savoir que j'allais dessiner les 10 premiers jours. Donc dans mon organisation, en termes de dessin, j'ai commencé à dessiner la veille de Linktober parce que je voulais avoir fait le croquis la veille du jour où j'allais faire mon ancrage. Ça me permet vraiment de pouvoir faire mon croquis tranquillement, d'avoir le temps que je souhaite parce que je m'étais alloué environ 2 heures à l'ancrage par soir, 1 heure environ pour le croquis, pour éviter de passer toute ma soirée et aussi de me perdre dans les détails. Je vous renvoie vers ma vidéo pour rester motivée, j'en parle. Quand j'ai fait le croquis la veille, ça me permet vraiment aussi d'avoir un regard nouveau le lendemain, juste avant de faire mon ancrage. Ça permet de prendre du recul, de voir s'il y a des problèmes de perspective, des choses qui choquent à l'œil, avec un peu plus de recul. Je vous conseille aussi, quand vous faites du dessin en général, de faire cette partie-là, parce que ça vous permet vraiment de voir quelque chose que vous n'allez pas voir quand vous allez commencer à faire votre croquis. Le jour J du mot, je me mets du coup à faire mon ancrage. J'essaye de regarder les ombres, les lumières, comment je vais pouvoir utiliser les différentes lines et ce que je vais mettre en avant. Je vous prépare une autre vidéo sur vraiment comment ancrer ces dessins dans les semaines prochaines. Ce que j'ai vraiment aimé dans Settingtober, c'était le fait de partager mes dessins avec d'autres artistes. Donc j'ai partagé tous mes dessins sur mon Insta et aussi sur un groupe Facebook, l'Ascension des Artistes. Et j'ai trouvé vraiment que ce soit dans Insta, avec les gens que je suivais ou qui me suivaient, et aussi dans le groupe Facebook, des gens qui dessinaient les Inktober. On a énormément partagé, on a rigolé des idées des uns des autres, on a échangé en commentaire. Ça a vraiment créé une vraie dynamique et ça donnait envie de vraiment poster. En plus de tous ces échanges, j'ai vraiment commencé à connaître d'autres artistes et aussi à essayer de comprendre comment eux, ils faisaient leur Inktober et comment ils dessinaient. On apprend vraiment en échangeant avec les autres. Mais en plus d'échanger avec eux, à force de devoir ancrer
pendant 2 heures chaque soir, faire des croquis, donc essayer d'être rapide, je me suis sentie de plus en plus à l'aise avec mon dessin. J'ai commencé à connaître les différents crayons Faber-Castell, à savoir quand les utiliser, comment utiliser le noir et blanc, comment faire des lignes un peu plus fines. C'est vrai que si on regarde mon Inktober que je viens de vous présenter, mes premiers dessins ont beaucoup moins de détails et utilisent des crayons beaucoup plus gros, donc ça fait un peu plus grossier, alors que sur les derniers dessins, j'utilise beaucoup plus de traits pour pouvoir ancrer et pouvoir faire des détails et des ombres plus ou moins intenses. En montant ces vidéos et les différents timelapses que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte de tous ces détails que j'ai ajoutés avec la fin et surtout, je me suis rendu compte de tout ce que j'ai appris et comment je réussissais à ancrer en essayant de donner un peu plus d'intensité. J'utilisais beaucoup plus les crayons très très fins vers la fin de Linktober. Et aussi j'utilisais les pinceaux qui étaient un peu plus gros et abîmés à cause de tout cet ancrage pour pouvoir créer des effets dans les détails. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout d'abord, quand on prépare Linktober, il faut un petit peu s'organiser, avoir du temps pour soi pour pouvoir dessiner. Savoir ce qu'on va dessiner en avance permet vraiment de pouvoir tenir sur la durée. Mais aussi, n'hésitez pas à partager, à aller voir ce que font les autres, à les commenter et à échanger avec eux. Vous verrez, vous passerez un agréable moment. En plus, vous allez énormément progresser en dessin avec tout le temps que vous pourrez vous allouer. Je vous invite à aller voir mon Instagram séverine.drawings pour pouvoir savoir les 10 dessins que j'ai préférés. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo quels sont vos dessins préférés de mon Inktober. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de venir me faire un petit coucou sur Insta pour pouvoir voir toutes les images de Linktober. Je vous dis à très bientôt. Tchuss !